Qu'est-ce que c'était? Oh oh! Au secours! Au secours! Ne me mange pas, s'il te plaît! Ne me mange pas! Mr. Morning! Mr. Morning! Coucou, Missifou! Tu t'amuses bien dans l'eau? Aide-moi, s'il te plaît! Oh, il s'amuse tellement bien sur son matelas gonflable! Waouh! Au secours! Au secours! Ils vont m'attraper! Aïe! Ils vont faire mal! Aïe! Vous m'avez fait peur! Oh, Lily! Quelque chose m'a touché la jambe! Ah, sûrement un poisson! Sûrement! Retournons à la plage! Oh, voilà mon seau, ma pelle et mon râteau! Je vais construire un château de sable! Hé, hey, Mr. Morning! Tu aimerais construire un château de sable avec moi? Oh, Missifou! Je suis tellement bien allongée au soleil! Mais tu peux demander à Tati et Lily de t'aider! C'est juste que je n'aime pas les requins! Quoi? C'est l'endroit idéal pour faire mon beau château! La 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 la! Missifou, est-ce qu'on peut t'aider à construire ton château? Non! Oh, allez, Missifou, s'il te plaît! Non, non et non! Oh, allez, Missifou! Non! Pas après la méchante blague que vous m'avez faite! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Tati? Nous devons lui présenter nos excuses, mais trouvons d'abord quelque chose de joli pour décorer son château. Avec ça, c'est sûr, il nous pardonnera. D'accord! Ah, qu'est-ce qu'on est bien! Oh, mon château est super réussi! Oh. Regarde cette pierre, qu'est-ce qu'elle brille! Ok, allons lui montrer et lui dire pardon. Mais c'est fou! Regarde tout ce qu'on a ramassé pour ton château! Tu nous pardonnes, s'il te plaît? S'il te plaît! Nous ne recommencerons plus jamais, promis! Bon, d'accord, ça va! Construisons ensemble le château de sable, venez! Oh, c'est bizarre! Voilà, ne bouge plus! Voilà, allez petit crabe, à la maison. Ah! Et... ah! À l'aide! Enlevez-le! Je crois qu'il veut garder le château de sable juste pour lui. Garde-le alors! Et si on se cachait dans le sable maintenant? Quelle bonne idée, Lily! Et voilà! Oh, il fait chaud ici! Et si nous allions nager? Ok! Miaou! Oh, hé! Hey, je suis toujours enterrée dans le sable! Youhou! Mr. Morning, est-ce que tu pourrais m'aider? Aïe! Tati, je suis désolée, mais je suis tellement bien ici allongée au soleil! Je suis coincée sous tout ce sable. Pas le crabe de nouveau, non. Oh, pourquoi est-ce que Tati crie? Je ne sais pas. Et encore? Lily, sors de là tout de suite. Tu m'avais promis que tu ne recommencerais pas cette méchante blague. C'est pas gentil. Missifou, je suis juste ici. Ce n'est pas moi. Je suis sûre que c'est Tati. Je vais voir. Lily! Lily! C'est un requin! C'est un requin! C'est un requin!
voulez parler au requin? Bonjour, monsieur le requin. Tu as faim? Tu veux un petit gâteau? Oui. Tu veux être notre ami? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il veut bien être notre ami? Non, il ne veut pas être notre ami. Pourquoi? Parce qu'il a très faim. Quoi? Il est affamé et il veut nous manger. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? Miaou! Tati! Tati! Eh, qu'est-ce qui vous arrive? Un requin! Un requin! Au secours! Mr. Morning, j'ai besoin de ton aide. Aïe, aïe, j'ai mal partout. J'ai un coup de soleil. Aïe, aïe, ça fait mal. Ça fait très mal. Oh, Mr. Morning, tu n'avais pas utilisé de la crème solaire? J'ai complètement oublié. Ouf, on dirait un crabe maintenant. Aïe, ça brûle, ça brûle. Nous devons sauver nos amis ou le requin va les dévorer tout cru. Je suis sûre d'avoir quelque chose pour nous aider dans mon sac à dos. Aïe, aïe, aïe. Pas cela. Aïe, aïe, ça non plus. Une pomme, elle a l'air délicieuse. Aïe, voilà, Tati, essaye ça, aïe. Et à quoi ça sert? Oh, aïe, je ne suis pas sûre, mais je crois que tu dois viser l'eau avec. Aïe, aïe, ça me fait très mal. Ok, voyons voir comment ça marche. Ah! Au secours! Ah! Il va nous manger! Ah! Tu nous as sauvés juste à temps! Merci! Oh, c'est glacial tout à coup! Il fait froid! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Waouh! Vous êtes prêts pour le décollage? Youpi! 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 9, 8, 7, 6, 2! Oh, waouh! Regardez! Un lapin de l'espace! Waouh! Cette fusée est trop cool! Si vous voulez, je peux vous prêter mes combinaisons d'astronautes! Génial! Les voilà! Waouh! Et si nous allions les essayer? Elles sont super! Waouh! Dommage que je ne puisse pas rester jouer avec vous. Mais je dois finir ma nouvelle invention. Au revoir, Mr. Morning. Et merci beaucoup. À bientôt, les amis. Amusez-vous bien. Hé, hey, Tati! J'ai une super idée! Et si nous transformions la fusée en carton en vraie fusée? C'est une idée géniale, Missy Fou! Youpi! Abracadabra! Ce carton en fusée se transformera et vers l'espace nous amènera! Waouh! Elle est énorme! J'ai une autre idée, j'ai une autre idée! Et si nous allions sur la Lune? Ce serait génial! J'aimerais beaucoup, mais où se trouve-t-elle? Regarde, Lily, elle est là-haut. Viens, nous allons te montrer. La fusée est vraiment incroyable. Oui, elle est jolie. Vraiment super jolie. Allez, direction l'espace. Jusqu'à la Lune, jusqu'à la Lune. Allons sur la Lune, les amis. Vous êtes prêts? Oui, oui, oui. Regardez les amis,
personne n'y vit, mais c'est fou. Préparez-vous, les amis. Nous allons atterrir. Trop cool! On est déjà arrivés sur la Lune. Nous venons d'atterrir. Super! Allons découvrir la Lune. Oh, le joli bouton! Quel joli bouton rouge! Waouh! La Lune est très jolie! Et très étrange! Allons voir par là-bas! Qu'est-ce que c'est rigolo de sauter sur la Lune! J'adore ça! Au revoir! Au revoir! Lily, à qui dis-tu au revoir? À notre très jolie fusée? Non! Ne t'en vas pas, s'il te plaît! Oh non! Lily, as-tu touché un bouton? Oui. Le rouge? Il était très mignon. Non! Lily, qu'as-tu fait? Appuyer sur le bouton? Bon, Tati, ce n'est pas grave. J'ai une idée. Utilise ta magie. Ma magie ne marche pas sur la Lune. Comment vais-je rentrer à la maison maintenant? Réfléchissons. Tu as trouvé une solution, Tati? Non. La 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 la. Bonjour. Bonjour. Tu vis ici? Oui. Tati nous avait dit que personne ne vivait ici. Eh bien, moi je vis ici. Ah, c'est trop cool. Et comment t'appelles-tu? Je suis Goulou Goulou. Je m'appelle Lily. Tu aimerais rencontrer mes amis? J'adorerais. Mais c'est fou, je ne trouve aucune solution. Et toi? Moi non plus. Les amis, regardez qui je viens de rencontrer. Qu'est-ce qui vous arrive? Je crois qu'ils ont eu peur. Désolé, Gourou Gourou. Mais nous avons eu un peu peur. C'est pas grave, Tati. Vous courez très vite. Gourou Gourou, pourrais-tu nous aider à rentrer sur notre planète? Oui, oui. Allons chercher ma navette spatiale. Youpi! Nous sommes enfin sauvés. Ah, enfin à la maison! Merci beaucoup, Gourou Gourou. Au revoir. Oh, qui ça peut être? Je suis sûre que c'est Lily. Moussi, que fais-tu ici? Bonjour, Tani. Je viens de recevoir ce courrier magique, mais on dirait que c'est pour Missifou. Mais j'ai demandé une aventure de pirate, pas un bout de papier! Merci beaucoup de l'avoir apporté jusqu'ici. De rien, Tani. À plus tard. Ok, bon, voyons ce que c'est. Ça ne va pas être intéressant, c'est juste un dessin! Allez, jetons un œil. C'est une île de pirates! Comment ça serait une aventure de pirate quand c'est juste un dessin? Missifu, c'est une carte magique! Regarde bien! Oh wow! Ça bouge! Regarde, il y a une baleine! Wow! Ah!
Attends, regarde. Bonjour les amis, bienvenue à tous les deux dans l'aventure des pirates. Dans cette aventure, vous voyagerez vers une île magique. Vous devrez chercher longtemps et durement pour trouver le trésor caché du pirate. Ouais, une aventure pirate. Ouais. Mais comment se rend-on sur l'île? Vous deviendrez minuscule et à travers la carte, vous entrerez dans l'aventure des pirates. Je vous souhaite bonne chance à partir de maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Il semble vraiment faire très sombre à l'intérieur de cette grotte. Allez, Miss Sifu, je suis sûre qu'il ne fait pas si sombre. Je pense qu'on devrait retourner à la plage. Allez, Miss Sifu, nous allons bientôt rencontrer des pirates. Continuons. C'est juste que je suis coincée, Tani. Ne t'inquiète pas, Miss Sifu, je vais t'aider. C'est juste que je commence un peu à avoir peur. Toi, Miss Sifu, je suis ici. Quels sont ses yeux? Quels yeux, Miss Sifu? Ceux-là! Phew, nous sommes en sécurité. Nous y sommes presque, presque. Miss Sifu, nous les trouverons bientôt. Regarde, c'est beau. Regarde, Tani, je suis sûre que c'est un indice de pirate. Il est écrit ne pas toucher. C'est tellement grand. Tu vois, on a enfin trouvé le bateau pirate. Doit-on monter? Bien sûr. C'est si beau! Regarde, Tani, il y a un autre indice. C'est une page d'un livre. Je suppose que nous sommes censés le trouver. Eh bien, je ne vois aucun livre nulle part. Voyons, Tani, descendons par ici. Voyons. Regarde, Tani, c'est la cabine du capitaine. Regarde, Miss Sifu, il y a un livre. Ouvrons-le. Regarde cette clé magique. Il nous montre sûrement la direction du trésor. Suivons-le. Voilà! Là! Waouh! On l'a trouvé! Nous avons le trésor! Ramenons-le au perroquet! Ça va peser lourd! Mais
regarde ça, Jack. Quelqu'un est en train de prendre tout notre trésor. Youpi, youpi, regarde, Penny, il y a enfin des pirates. Mais qu'est-ce que vous faites avec notre trésor? Rendez-le-moi. Je suis désolée, tellement désolée. C'est juste qu'on a pensé que peut-être que... Penny, ces pirates commencent à me faire peur. Je dois dire qu'ils me font un peu peur aussi, Missifu. Nous allons vous faire marcher sur la planche au-dessus des requins. Avancez maintenant, allez. Je croyais vraiment que les pirates allaient devenir nos amis. Petit perroquet, aide-nous. Regarde, Missifu, notre ami le perroquet vient vers nous. Petit perroquet, tu viens ici pour les sauver? Alors toi aussi, marche sur la planche. Ah, oh, vraiment? Eh bien, alors je vous transforme en souris. Ouah, ouah. Et je transforme le trésor en bonbon. Maintenant, nous n'avons plus de trésor. Et en plus, nous sommes transformés en souris. Pauvre petit pirate. Maintenant, je me sens mal pour eux. Si vous promettez de bien vous comporter, je vous transformerai en pirate. Oui, oui, on promet, on promet. Nous allons nous comporter super bien à partir de maintenant. Abracadabra, vous redeviendrez des pirates et vous vous comporterez très bien. Merci, Tani, merci. Est-ce que tu vas nous pardonner? Mais oui, bien sûr qu'on vous pardonne. Super, félicitations à vous, vous avez terminé l'aventure. Prenez ça avec vous. C'est une pièce d'or spéciale. Avec, vous pourrez sortir de l'île. Oh, merci beaucoup, monsieur le pirate.